en fait, toujours en ce mercredi, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Si tu veux, j'étais comme un flic dans l'espace-temps, un revenant de retour du futur. J'ai bien vu qu'est-ce qui se passe plus tard dans les vrais sens. Vous n'êtes pas du tout sur la bonne route. Tu vois? C'est comme au niveau spirituel, j'étais sur pape. Le Vatican est une grosse encurie. D'ailleurs, si c'est l'état le plus riche du monde, c'est bien que c'est une grosse encurie. Oh, la ping-pong. La vie, c'est simple, c'est beau. Pourquoi vous faites que de la merde? Pourquoi vous vendez tout? Même vos âmes. Tu vas me dire, c'est parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend rien à l'école. C'est ça qu'il faut faire des nouvelles écoles. C'est la deuxième loi. Pour voter mardi prochain. Deux premières. Il n'y a pas beaucoup d'inscrits pour la rédemption. Là, on dirait. Coucou. Je sais pas quoi, tu es méchant, bro. En route pour de nouvelles aventures, en route pour de nouvelles émotions. On va repartir à l'an zéro, hein. On n'est pas ce qu'on recommence. Tout est construit sur de la barbarie. Des sauvages. Votre science est de l'inconscience. Vous déréglez le continuum espace-temps. Vous déréglez tout sur Terre. Mais la glacière, maintenant, il y aura la glace au père. Hein. En même temps, on arrose, ça crame un peu. C'est que je te dis. Je voulais pas reconnaître qu'il y a un bon Dieu. En ce moment, il est gentil, il fait pas beaucoup de morts. Hein, par rapport à ce que vous faites dans les guerres. Pour réveiller un peu les esprits. Puis les séismes, si c'est pas le projet Art. Bon, ça doit être le projet Art. Ignorant, aveugle, bête et méchant. Voilà ce qu'est devenu l'humanité. Costard cravate, atterriette à l'Elysée. Hein. Aujourd'hui, c'est le conseil des sinistres, comme dirait Coluche. C'est la reprise. Oh, on va aller voir ça. Allez, va. Allez, va. Bon, vous les deux.